Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'heure est grave, l'heure est très grave. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous rappelle combien de fois nous sommes en face d'un régime dictatorial, un régime qui ne reculera pas et qui ne lésinera sur aucun moyen pour assouvir ses désirs, c'est-à-dire la perpétuité du pouvoir dans le clan Biya au Cameroun. L'heure est grave. Pour la première fois de son histoire moderne, un opposant camerounais échappe de justesse à la mort. Nous, de la brigade anti-Sardina, nous, le peuple camerounais, nous ne pouvons rester indifférents et silencieux face à cet acte odieux, ô combien réprimable, qui a failli avoir lieu aujourd'hui. N'en demeure pas moins qu'il y a eu aujourd'hui, dans le Nord Cameroun, un attentat, une tentative d'assassinat sur la personne du président de la République du Cameroun, élu en dehors de toute fraude électorale, Son Excellence Maurice Kamto. Le peuple camerounais vit depuis 38 ans sur le joug dictatorial de Biya Bim Vondo, alias Kamnogo, alias Satan. Oui, cet homme, adepte de Machiavel, qui a très bien appris ses leçons et l'applique avec tant de mépris sur son peuple, nous ne serons restés silencieux face à ce qui s'est passé aujourd'hui. J'appelle les Camerounais. J'appelle d'abord le président élu à prendre ses responsabilités. Parce que ces gens ne vont pas le lâcher. Parce que Biya Bim Vondo ne va pas le lâcher. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous tenons pour responsable Paul Biya Barthélémy. Et nous allons riposter de la manière la plus énergique. Peuple camerounais, il est temps que vous vous soulevez. Il est temps que tous ensemble, que nous nous levons et que nous disons non à cette tyrannie. Trop, c'est trop. 38 ans de barbarie, 38 ans de criminalité impunie, 38 ans que les Camerounais sont traînés dans la boue. Nous ne serons restés silencieux face à ce qui s'est passé aujourd'hui. Hommes de la société civile, hommes politiques camerounais, comme un seul homme, vous devez vous lever et dénoncer parce que c'est le début de quelque chose de très grave. Mes frères camerounais, tous ensemble, nous devons être solidaires. Nous avons été silencieux face à ce qui se passait au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 12 000 morts. Nous sommes restés tranquilles quand nos sœurs ont été traînées dans la boue. Nous sommes restés tranquilles quand des avocats et des maîtres ont été battus comme de simples citoyens lambda. Nous sommes restés tranquilles face aux cris de détresse de nos frères du Nozo. Nous sommes restés tranquilles quand des gens, le 26 janvier 2019, se sont levés pour demander où sont partis les fonds de la Kerm, de la CAN. Nous sommes restés silencieux quand nos frères ont été arrêtés, battus, torturés à mort dans les geôles de la prison de Biya. Nous sommes restés tranquilles quand toute une ethnie a été rasée parce que on leur accusait d'avoir fomenté le coup d'État. Nous sommes restés tranquilles quand Monique Oumaltékel s'est fait éventrer devant l'hôpital à Quintigny. Jusqu'à quand resterons-nous encore tranquilles? Il est temps, oui Camerounais, il est temps d'attraper ce taureau par les cornes. La patrie ou la mort nous vaincront, c'est ce que nous disons toujours. Alors, l'heure est venue de vaincre. Levez-vous comme un seul homme. Levez-vous pour défendre la démocratie, la liberté d'expression, pour défendre la justice au Cameroun.
Mes frères camerounais, il est temps que nous mettons en place une désobéissance civile au Cameroun. Il est temps que nous, Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, que nous soyons unis face à cette adversité qui tue chaque jour des milliers de Camerounais. L'heure est grave. L'heure est très grave et nous ne pouvons, nous ne saurions rester silencieux. Mes frères camerounais, la misère au Cameroun touche toutes les couches de la société camerounaise. Toutes les ethnies sont touchées par cette misère. Monsieur Maurice Kamto a été élu par les Camerounais. Monsieur Maurice Kamto a la légitimité du peuple camerounais. Et nous devons protéger cet homme. Oui, mes frères camerounais, une nation ne peut se représenter par des ethnies. Non, une nation, c'est un ensemble de peuples. C'est un peuple qui forme une nation. Et nous sommes une nation. Nous devons défendre notre pays face à ces dictateurs. Nous devons défendre notre pays face à cette horde hors la loi qui tue, pille, viole, torture nos frères au quotidien. J'appelle les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra sauver le Cameroun. C'est nous-mêmes Camerounais. Alors tous comme un seul homme, levons-nous, inondons les rues de Douala, Yaoundé, Bamenda, Boya, Kousseri, Koutaba et partout dans le Cameroun. Il est temps que nous chassons les dictateurs de chez nous. Il est temps que nous, Camerounais, nous nous levons et disons non à cette tyrannie. Maurice Kamto, aujourd'hui, a échappé à la mort. C'est le Cameroun qu'on a voulu assassiner. Ce n'est pas le leader du MRC. Ce n'est pas l'homme populaire du Cameroun qu'on a voulu assassiner aujourd'hui par cet acte odieux. Mais c'est le Cameroun qu'on a voulu assassiner. Oui, ces gens sont prêts à tout pour nous faire retourner 50 ans en arrière. Et nous, la jeunesse consciente camerounaise, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas et nous n'avons pas le droit de rester silencieux. À vous les gardes Douala, de Yaoundé, de Consamba, de Pendja, de Mantem, de Banga, je vous demande au nom de la liberté, au nom du Cameroun nouveau que nous voulons construire, je vous demande de prendre la rue, sans armes bien sûr. Prenons d'assaut les rues de notre pays et défendons chaque centimètre du Cameroun. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que la brigade anti-Sardina va riposter de la manière la plus énergique. Qui s'attaque au peuple, s'attaque à la brigade anti-Sardina. L'heure est grave. Ce n'est pas le Cameroun dont nous rêvons. Ce n'est pas le Cameroun que nous voulons. Biya est un homme barbare. Monsieur le président Macron, ce message est adressé à vos illustres personnes. Vous avez invité Biya pour le sommet de France-Afrique en juin 2020 à Paris. Je vous prie de renoncer à cela. Parce qu'au prix de notre vie, au prix de nos vies, nous n'allons pas laisser ce sommet se tenir. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Mais aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est vent debout. Ni vos prisons, ni vos intimidations, rien ne nous empêchera de changer ce Cameroun. Le Cameroun nouveau que nous voulons. Il y a eu un épisode de corona, il y a un épisode de coronavirus. Vous, monsieur Macron, vous avez parlé à votre peuple. Il y a 12 000 morts au Cameroun, monsieur Macron. Vous m'avez dit, je sais. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Vous m'avez dit et vous avez dit à la communauté internationale que vous savez. Il y a des femmes et des enfants qui ont été brûlés, monsieur Macron. Vous avez dit, je sais. Alors vous ne pouvez pas soutenir un dictateur. Biya est un dictateur. Et nous,
Camerounais de la diaspora, nous de la brigade anti-Sardina, nous n'allons jamais, je dis jamais, laisser de répit à cet homme, infâme, à ce sorcier, à ce criminel qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Je vous appelle à prendre vos responsabilités. Nous voulons la démission de Biya et nous voulons un soulèvement populaire au Cameroun. Mes frères, l'heure est grave. Chaque Camerounais doit se lever. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Non. C'est une affaire d'un peuple. Et ce peuple a soif de changement, de justice et de liberté. Ce que Biya Bim Fondo et son système ne nous donnent pas. Ce qui est arrivé aujourd'hui à son Excellence Maurice Kamto peut aussi vous arriver. Arrive au quotidien aux Camerounais, dans nos hôpitaux, sur nos routes. Monsieur Biya a pris un Cameroun prospère. Il a pris un Cameroun rayonnant. Aujourd'hui, qu'est devenu le Cameroun? La risée du monde entier. J'ai mal dans ma chair. Et je ne peux laisser mon Cameroun tomber dans l'abîme. Alors mes frères, l'heure est arrivée aux Camerounais de se lever. Une désobéissance civile doit commencer au Cameroun. Monsieur son Excellence Maurice Kamto, prenez les devants et le peuple camerounais vous suivra. Oui, nous allons vous suivre. Et s'il faut que nous rentrons au Cameroun nous battre, alors prenez les devants. Et demain nous organiserons des charters. Croyez-moi, il y aura des milliers de Camerounais qui seront prêts à vous rejoindre au Cameroun. Mon pays ne peut pas continuer cette course galopante dans un bain de sang. Non, ce n'est pas le Cameroun dont a rêvé Oumniobé. Ce n'est pas le Cameroun dont Sende Afanda de Douala Mangabel, du roi Ndoya. Ce n'est pas leur Cameroun. Alors levons-nous et défendons cette patrie. On ne peut plus se taire. On ne peut plus rester silencieux. On ne peut plus soutenir un régime qui est prêt à sacrifier tout sur son passage. Camerounais, Camerounaises, nous sommes debout. Vous qui êtes encore indécis, qu'attendez-vous? Il n'y a pas d'école au Cameroun. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien au Cameroun. Le Cameroun, c'est la misère, c'est la galère. Des jeunes prennent la Méditerranée tous les jours. Il y a beaucoup de familles au Cameroun qui ont l'espoir. Ils se disent que leur enfant est peut-être arrivé. Non, s'il n'a pas appelé depuis un mois, deux mois, crois-moi, croyez-moi, il est mort dans la Méditerranée ou il est mort dans le désert. C'est ça que ce régime a réservé à la jeunesse camerounaise. Je dis non. Et je me battrai avec des milliers de Camerounais. Nous nous battrons. Vous au Cameroun, levez-vous. Levez-vous comme un seul homme. Vous ne pouvez pas, à 50 ans, être encore chez vos grands-parents, chez vos parents. Non, ce n'est pas de cette jeunesse qu'a rêvé Aïdjo. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont bénéficié des largesses d'Aïdjo. Ont bénéficié des largesses de l'État du Cameroun. Qu'ai-je bénéficié? Qu'avez-vous bénéficié? Rien du tout. C'est vous qui payez ces impôts. C'est vous qui permettez à cet État d'avoir un train de vie aussi honorable qu'ils ont. Et vous, qu'en retour, qu'avez-vous? Alors, levons-nous pour nous battre. Battons-nous pour un Cameroun qui donne l'égalité de chance à tous les Camerounais. Ceux qui ont eu des diplômes et ceux qui n'ont pas seront pris en charge par l'État du Cameroun, par le nouveau Cameroun que nous voulons construire. Oublions un peu nos ethnies. La souffrance, elle est partout. À Bokbaka, vous avez la même souffrance qu'à Kaélé. Vous avez la même souffrance qu'à Mimboman ou à Douala Tezef. Vous avez la même souffrance à Bamenda, à Mbanjok, à Kousseri, à Koutaba. C'est la même souffrance. C'est la même galère
Ça ne choisit pas d'ethnie. Mes frères, l'heure est grave. Levons-nous. Levons-nous tous ensemble pour ce nouveau Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.